commencer mon nouveau programme de renforcement musculaire, finir deux chansons, enregistrer deux podcasts. Tout était prévu, sauf que j'attrape le Covid. Quelle belle journée pour être en vie, ou même, devrais-je dire, quelle belle journée pour rester en vie. Bienvenue dans ce podcast bilan du mois d'août 2021. C'est un bilan qui va être difficile à enregistrer, je le sens. Je l'appréhende beaucoup parce que ça n'a vraiment pas été un mois facile. Je vais te parler un peu de mon expérience avec le Covid ou la Covid, je sais jamais comment on dit, de ce qui s'est passé et de ce que j'en ai tiré comme leçon, peut-être que ça pourrait t'aider, peut-être que ça pourrait t'inspirer si tu te retrouves dans la même situation. Bien évidemment, je ne te le souhaite pas. Si tu ne connais pas le format, c'est un podcast que je fais tous les mois dans lequel je partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé. Et là, aujourd'hui, j'ai te partager ce que j'ai appris au cours de ce mois d'août 2021. Quatre catégories. La catégorie Lifestyle, la catégorie Entrepreneuriat et Podcasting. Troisièmement, la catégorie Musique. Et puis après, je te partage mes leçons. Et je termine évidemment par des ressources et d'autres choses qui pourraient être utiles. Alors, le 1er août 2021, pour te remettre un peu les choses dans le contexte et commencer directement par cette catégorie Lifestyle, je suis parti soutenir mon ami Skips qui faisait un spectacle de danse au Cabaret Sauvage avec son, son groupe de danse. Et. J'ai commencé à ressentir des symptômes après le spectacle. Alors que pour accéder au spectacle, tu sais commencer, passe sanitaire ou test anti-génique ou PCR. Je l'avais fait, il était négatif. Je voulais être sûr que tout était bon. On était obligé de l'avoir. Je revenais du festival de Cannes. J'étais un peu fatigué, mais sans plus. Et là, après le spectacle, je commence un peu à avoir la tête qui tourne. Mais je me dis que c'est parce qu'on m'a offert un shot et que je ne bois pas souvent et que du coup, ça m'a complètement retourné la tête. Sauf que la nuit passe, je rentre chez moi et je me réveille avec une migraine, mais c'est pas possible. Une migraine de fou. Et l'ironie, c'était que c'était le jour où j'étais censé faire mon vaccin. C'était mon... le 2 août, j'avais prévu de faire le vaccin. Je ne savais pas, j'hésitais encore. J'étais en mode est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Et puis, je me suis senti mal et on m'a conseillé de ne pas faire le vaccin. On m'a dit. Tu ne fais jamais un vaccin quand tu ne te sens pas bien. Pour faire un vaccin, il faut être reposé, il faut se sentir bien, sinon ça va t'achever. Tu vas vraiment te sentir mal. Et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Je ne sais pas si tu savais ça, mais il s'est avéré que mon état a empiré. J'étais fatigué, je commençais à me sentir mal, à, à plus vouloir manger, etc. J'ai refait un test PCR le lendemain et le test est revenu positif. Voilà, positif au Covid. Donc déjà. Il y a eu un sentiment de culpabilité. Je me suis dit, mince, comment est-ce que j'ai attrapé ça J'ai peut-être contaminé des gens euh, au spectacle. Mon Dieu, mon Dieu. Enfin bref, c'est compliqué. Et la première chose, je me dis, mince, mes amis, ils vont sûrement voir leurs parents. Il faut qu'ils soient au courant et qu'ils prennent leur distance. Donc j'ai envoyé un message aux gens autour de moi. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Mais il fallait le faire. Positif au Covid. Perte d'appétit, fatigue, sommeil, mais c'est pas la fin du monde. Honnêtement, j'ai déjà eu des grippes ou des choses qui étaient beaucoup plus difficiles à vivre, où je me sentais beaucoup pire, mais là, c'était vraiment, ouais, perte d'appétit. J'ai perdu pas mal de poids, je pense que j'ai perdu au moins 5 kilos, donc j'ai fait mon isolement. C'était difficile d'autant plus que j'étais dans un endroit où il n'y avait pas internet et j'avais plus de données donc j'étais, je faisais, enfin c'était compliqué, c'est compliqué hein, d'être dans un monde sans internet hein, maintenant. Donc je me débrouillais et je voulais pas communiquer, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde au début. Les dix jours sont passés, je me suis dit bon, bah ça va un peu mieux, on reprend la vie. Donc je suis sorti, on m'a conseillé de faire une prise de sang pour être sûr que j'avais pas de complications, que j'avais pas des choses bizarres. Je suis parti faire la prise de sang. J'ai jamais autant galéré à marcher. L'hôpital était à 5 minutes, ça m'a mis je sais pas combien de temps, j'étais comme un vieillard, c'était vraiment difficile. Je vais à l'hôpital, je fais la prise de sang, et le docteur ou l'infirmière qui prend mon sang le regarde, et elle dit « Oulala, là là, votre sang n'est pas oxygéné ». Et elle le voit juste en regardant le flocon, le flacon, et moi ça m'a énormément impressionné, je me suis dit wow, « Waouh, franchement ». Elle arrive à voir que mon son n'est pas assez oxygéné juste en regardant le flacon. Mais c'est incroyable. Franchement, si je n'avais pas été artiste ou dans le business, j'aurais été médecin dans une autre vie. Bref, je rentre, je m'endors parce que c'est ce qui se passe quand as le Covid, tu fais que dormir, J'ai jamais autant dormi. Et l'hôpital m'appelle. L'hôpital m'appelle, les urgences m'appellent. Moi, je suis en mode ne pas déranger, donc j'entends pas. Mais il y a ma mère qui m'appelle, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont eu son numéro, mais elle m'appelle, elle me dit, il oui, y, a, y, a, y a le docteur qui m'a appelé, t'as tel résultat, je pas rentré précisément dans mon, dans mon dossier médical, mais elle me dit, voilà, il y a tel résultat, euh, c'est pas bon, ils m'ont appelé, euh, il faut que tu appelles le SAMU, ne bouge short pas. Donc moi, je suis complètement sonné, j'aime me réveiller, je regarde mon téléphone, je vois les appels manqués de l'hôpital, je vois même que le docteur de l'hôpital, et c'est un grand hôpital public, m'a envoyé un SMS pour me dire, monsieur, rappelez-nous, en urgence, euh, tel résultat est beaucoup trop élevé, c'est pas bon, enfin bref, elle m'écrit ça, rappelez-moi le plus vite possible. Le SAMU arrive. Je suis comme ça, je prépare mes affaires. Euh, on, je prépare mes affaires au cas où où je, bah, je suis hospitalisé et je dois rester longtemps. Je me dis c'est pas possible, je ne sais pas ce qui va se passer. Je commence à, à me dire ça se trouve ben, c'est mon dernier voyage et peut-être mourir. Donc ce que je fais, <laughs> c'est bizarre mais bon c'est l'époque. J'envoie un message à, à une bienveillante et je dis voilà mon mot de passe Facebook, voilà mon mot de passe Instagram, voilà mon mot de passe YouTube. Au cas où, on ne sait jamais. Très difficile, c'est très particulier, c'est bizarre à faire. Mais bref, j'arrive à l'hôpital, perfusion, électrode, la totale. Et on me fait des examens, des scanners. Et puis finalement, ben, on m'annonce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Mais on me dit oh, rentrez chez vous, reposez-vous. Mais il faut surveiller ça et faites des examens, revenez faire des examens le lendemain. Donc ça a été comme ça quasiment tout le mois d'août. Il n'y a pas eu d'objectif particulier. Il n'y a pas eu de, de choses extraordinaires en lifestyle. Ce qui est marrant, c'est que le mois d'avant, j'étais au Festival de Cannes. C'était la Vida Loca, comme ils disent. Et là, bah, j'étais juste dans ma chambre, en isolement, en train de prendre des médicaments. Alors que j'ai toujours été un peu en mode, oui, j'essaye de me soigner naturellement, au-dessus des essentiels, la Bref, là, c'était vraiment des médicaments, des médicaments lourds. On a commencé à me faire des piqûres. J'ai commencé à porter des pas de contention. C'était vraiment une autre vie, vraiment, vraiment une autre vie. Tu culpabilises, tu repenses à ta vie. Mais on avance et j'attendais quoi. Puis j'ai fait quelques stories sur Instagram parce qu'il y avait des gens qui commençaient à me dire, ouais, mais Ntoui, où est-ce que t'es passé On n'a pas reçu ta newsletter, on n'a pas reçu ça, est-ce que tout va bien, etc. Donc je me suis dit que pour donner un peu des informations à la communauté j'allais mettre quelques stories j'ai posté des stories de mon avant après entre guillemets de comment j'ai perdu du poids j'ai posté une story de mes poumons parce qu'ils étaient vraiment euh, enflammés ils le sont toujours un peu et oui puis j'ai dit aux gens ben bah, bon vous inquiétez pas je me soigne et puis je reviendrai plus tard waouh quel mois de juillet donc en termes de lifestyle ça n'a vraiment pas été extraordinaire mes victoires de la journée mes objectifs c'était de réussir à prendre ma douche quand j'arrivais à prendre ma douche j'étais hyper fier de moi pour te dire pour me motiver à sortir de ma chambre à aller me préparer à me laver je mettais de la musique de motivation je mettais des vidéos de motivation alors que ça c'est ce que je fais normalement quand je dois appeler un client quand je dois aller courir quand je dois me motiver ben là ma motivation c'était de réussir à prendre ma douche à garder une certaine dignité entre guillemets à garder le sexy kitoko à garder la vision et ça c'était très difficile de même, une autre victoire, un autre objectif, c'était de réussir à manger. J'avais pas d'appétit et je savais que si je ne mangeais pas, mon état allait s'empirer. Donc, quand j'arrivais à manger un peu, j'étais hyper content. Et tu sais, j'ai un journal de gratitude si tu me suis. Et dans mes gratitudes de la journée, je marquais, merci car j'ai réussi à manger. Merci car j'ai réussi à prendre ma douche. Merci car j'ai réussi à, tu t'en rends compte? Tu vois que certaines choses qu'on peut prendre vraiment pour des, des choses qui ne vont jamais bouger, qu'on ne questionne jamais, bah, elles ne sont pas si acquises que ça. Le lifestyle de ce mois d'août 2021. Donc aucun objectif du mois n'a été atteint, à part que je suis encore en vie, et c'est beaucoup. C'est pas mal comme objectif. Voici ce que j'avais à te partager pour le lifestyle. Si tu es allé jusqu'au bout de cette catégorie, je t'invite à m'écrire en commentaire, si tu écoutes le podcast sur YouTube, le mot « nouvel or ». Parce que la santé, c'est vraiment le nouvel or. La santé... Tu ne peux rien faire si tu ne l'as pas. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de business. Là, je m'en suis vraiment rendu compte que ce n'était pas les podcasts qui allaient me sauver, que c'était pas la musique, que ce n'était pas le showbiz, que c était, c était, là, c'était vraiment moi, c'était les médecins, les infirmiers et toutes ces choses-là. Deuxième catégorie, catégorie entrepreneuriat et podcasting. Donc, comme je te l'ai dit, je n'ai pas atteint mes objectifs du mois parce que j'étais en train de m'occuper de ma santé. Néanmoins, quand mon état s'est un peu amélioré, j'ai travaillé sur la vision j'ai revu mes objectifs et les moyens que j'allais mettre en place pour les atteindre je me suis notamment basé sur le livre Your Next Five Moves de Patrick Beth david c'est un livre que je te recommande et c'est un entrepreneur que je t'invite à suivre parce qu'il a un style incroyable dans le sens où par exemple ses podcasts il a une manière d'expliquer les choses il est divertissant et il est éducatif en même temps donc je te mettrai le lien en description je t'invite vraiment à écouter de préférence ses podcasts qui durent moins de 15 minutes ceux qui durent une heure j'aime un peu moins Bref, et dans son livre The Next Five Moves, il explique vraiment comment définir ta vision et prévoir les différentes étapes. Il dit vraiment qu'il faut séquencer ta vie et que ton degré de réussite doit être déterminé par ta manière de séquencer. Ok, première étape. Ça, c'est bon. Après, dès que j'atteins ça, deuxième étape, troisième pilier, quatrième et cinquième pilier, Your Next Five Moves. Donc, je me suis basé sur ça. Donc, j'ai revu un peu mes objectifs et mes prochains moves. Ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé. Ça m'a permis d'y voir plus clair et aussi de me projeter, tu vois, de pas rester dans la maladie et être dans des pensées négatives. En plus de ça, j'ai mis à jour mon calendrier, tu sais, le calendrier que tu as pour prendre tes rendez-vous business, tes rendez-vous d'enregistrement de podcast. Et je me suis rendu compte. Que mon calendrier n'avait pas été mis à jour depuis pas mal de temps et que du coup les gens ne pouvaient pas réserver avec moi des, des sessions stratégiques. Et tu sais, quand tu es coach, bah, <laughs> ton succès, ton degré de succès est déterminé par ton nombre de sessions stratégiques mensuelles. Et là, bah, je, je, me, je bloquais mes bénédictions parce qu'on ne pouvait pas réserver avec moi. Ça veut dire qu'il y a peut-être des centaines de personnes ou peut-être des dizaines de personnes, et c'est énorme quand tu vends du coaching, qui sont passés par mon calendrier, qui ont cliqué sur le lien, puis qui ont vu que j'avais aucune disponibilité, qui sont partis, qui se sont peut-être dit, ah toi il est pas sérieux, ou voilà, il n'y a pas de place, ou c'est mal organisé, etc. Donc là, j'ai remis tout ça en place, et vraiment une des leçons que je pourrais te partager sur ça, c'est... Le souffle c'est compliqué. Ne bloque pas tes bénédictions. Voilà, tu peux perdre beaucoup d'argent, tu peux perdre beaucoup d'opportunités juste à cause d'un détail. Les détails, Dieu est dans les détails. Je sais pas si on dit ça, je crois que c'est qu'on dit que le diable est dans les détails, mais moi je dis Dieu est dans les détails. Autre chose que j'ai effectué, c'est que j'ai mis à jour mon site internet. Tu sais, j'ai vraiment compris l'importance de la valeur perçue, d'avoir des bonnes photos, d'avoir des bonnes vidéos, d'avoir de la preuve sociale. Donc j'ai mis à jour. Ma photo sur mon site internet, j'en ai mis une plus récente, une un peu plus stylée. J'ai vérifié les liens, j'ai publié de nouvelles photos, j'ai mis des témoignages, beaucoup de témoignages de clients. D'ailleurs, je ne pensais pas que j'avais coaché autant de personnes, j'en suis vraiment reconnaissant. Merci à toi pour ta confiance. J'ai mis pas mal de témoignages, pas mal de d'articles de presse également, comme ça quand quelqu'un arrive sur ma page d'accueil, il peut à peu près me situer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais faire depuis longtemps. Et aussi, je ne sais pas si tu as ce réflexe, mais moi quand quelqu'un vient me parler et qui me dit qu'il a un projet ou qu'il fait ci ou qu'il fait ça ou qu'il est ça, bah automatiquement je vais taper le prénom de la personne et son nom sur Google et je vais voir s'il y a un site internet. Et je me rends compte que de moins en moins de personnes ont des sites internet et je trouve ça vraiment dommage parce que le site internet c'est chez toi, tu fais ce que tu veux, et t'es pas... Je ne sais pas, tu n'es pas en compétition avec YouTube et la vidéo de Justin Bieber ou d'un autre entrepreneur. Là, vraiment, quand la personne elle vient sur ton site internet, elle est chez toi, littéralement, avec tes règles, avec tout ton contenu, avec ta vision. Et c'est un excellent outil. Je ne comprends pas pourquoi il y a de moins en moins de personnes qui ont des sites internet. Autre chose que je pourrais te partager en termes d'entrepreneuriat et de podcasting, c'est qu'on m'a proposé d'être animateur pour un événement de trois jours, du 1er au 3 octobre 2021. C'est en Belgique. Euh, je vais être pas, je vais pas être speaker, mais je vais être un peu animateur, chauffeur de salle, je vais présenter les invités, je vais un peu mettre l'ambiance et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait sous cette forme. Donc c'est un challenge, c'est une grosse première. C'est pour l'événement de Jérémy Van Bosch. C'est un événement sur le networking. Jérémy, il était venu sur le podcast pour l'épisode 161. C'était un épisode où vraiment il expliquait comment se créer un réseau qui est au service de ta vie, comment faire si tu es timide, comment faire pour entrer dans n'importe quelle industrie. C'est vraiment quelqu'un qui apporte énormément de valeur et fait un événement sur trois jours. C'est à Bruxelles. Je suis partenaire de l'événement, donc je t'invite à venir. Tu peux aller prendre ta place sur le site jérémy vanopdemboschcom Bien évidemment, je te mettrai le lien en description du podcast. Et puis tu vas trouver facilement. Il y a un onglet où c'est marqué séminaire 3 jours. Tu cliques dessus. Et au moment de payer, il y a un endroit où c'est marqué partenaire. C'est juste au-dessus. Et tu verras que c'est marqué une toille. Donc tu peux cliquer sur mon nom. Et comme ça, ben, on saura que ça vient de moi. Et puis on pourra réinvestir dans la vision. Et pas. Et toi, tu viendras, tu viendras à un événement incroyable. Donc je t'invite vraiment à venir si tu as besoin de te créer un réseau, et on a tous besoin de se créer un réseau, je t'inviterai encore plus à venir si tu es un entrepreneur ou une entrepreneuse, ce serait presque irresponsable de ta part de ne pas venir si tu peux venir. Et on se voit en Belgique, du 1er au 3 octobre, je ne sais pas ce qui va se passer, il y a un programme de fou, il y a des, il y a des speakers de fou, il y a Ty Chris qui, euh, qui est speaker, il y a Maxime Rigautier qui est speaker, il y a d'autres personnes, enfin bref, c'est un gros, c'est quelque chose de gros. Donc... On se met en forme, on prend de la vitamine C, on prend de la vitamine D, on prend du zinc, on fait tout pour se remettre en forme. On essaie de garder une alimentation des plus optimales possibles, même si c'est dur, parce que parfois, pour être honnête avec toi, bah tu te déprimes un peu, tu te poses des questions, tu sais pas ce qui se passe avec ton corps, donc tu manges moins bien. Mais là, vraiment, on essaie de se remettre en forme progressivement pour pouvoir reprendre les événements et être au top pour l'événement de Jérémy Van Opdenbosch bosch du 1er au 3 octobre 2021. Autre chose que je pourrais te partager dans cette catégorie entrepreneuriat et podcasting, bah c'est bien évidemment ce qui s'est passé en termes de podcasting. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien fait. Je n'ai rien enregistré. J'ai sorti le podcast avec Loco Kansas, je l'ai publié, il est sur toutes les plateformes de streaming, il est sur YouTube. J'ai hésité à le partager parce que j'étais pas vraiment en forme pour faire une promotion comme je voulais la faire. Mais je me suis dit, bon bah tu sais quoi, et on avance, il faut sortir le contenu, il est là, ça fait déjà deux mois. Et puis il y a des gens qui veulent l'écouter. Je ne me rendais pas compte de à quel point le Quankanza c'était une légende. C'est une légende. Je t'invite vraiment à aller écouter ce podcast encore plus si tu es musicien ou si tu es artiste. Ce serait irresponsable. faut que j'arrête de dire que c'est irresponsable. Mais oui, ce serait irresponsable de ta part de ne pas aller l'écouter. C'est un épisode qui dure 44 minutes. Et c'est moi, un jeune qui interviewe une personne avec laquelle j'ai grandi. Une de mes légendes. C'est vraiment quelqu'un que j'écoute depuis que j'ai 9 ans, littéralement. Et là, je la vois en face de moi. Va écouter ce podcast, je te mets le lien en description. Également, autre chose qui s'est passé en termes de podcasting, j'ai du mal avec le souffle, c'est terrible. Faudrait que je parle plus lentement. C'est que j'ai reçu des mails de personnes que je ne connaissais pas qui écoutaient le podcast. Des gens qui me disent, mec, euh, j'écoute ton podcast, je voulais te remercier pour ça, je voulais te remercier pour ci. J'ai écouté tous tes épisodes, j'ai écouté l'épisode 12 et ça m'a vraiment inspiré. Je suis tombé sur toi via Google Podcast. Enfin bref, je reçois de plus en plus de témoignages et je n'avais pas conscience de l'impact <laughs> que pouvait avoir ce podcast. Donc, j'en suis très reconnaissant. On commence officiellement la quatrième saison. N'hésite pas à partager ce podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé, quelqu'un que ça pourrait aider, quelqu'un qui pourrait apprécier l'énergie. La morale de tout ça, c'est vraiment que tu ne sais jamais. Qui tu vas toucher et il ne faut pas trop réfléchir quand tu veux transmettre du contenu. Il ne faut pas trop se poser de questions. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Il faut vraiment le faire et le balancer. Le podcast qui a attiré euh, une des personnes qui m'a envoyé un mail, c'était un podcast que j'ai fait en 2018, que j'avais enregistré à l'arrache. Je crois que j'étais en pyjama. J'étais allongé. Puis je l'ai publié comme ça. Puis je l'avais même oublié. C'était un podcast qui s'appelait. Euh, Comment réussir sa rentrée sans stresser ou quelque chose comme ça. Et ça apporte des opportunités aujourd'hui, trois ans après. Tu vois, la puissance du contenu, la puissance de l'effet cumulé, c'est incroyable. Donc, pour clôturer cette partie sur l'entrepreneuriat et le podcasting, je vais t'inviter à m'écrire le mot-clé Don't overthink shit. Comme disent les Américains, ne pense pas trop, en gros. Don't overthink shit. Écris-le moi en commentaire si tu penses que tu réfléchis trop, que tu. Pense trop au lieu de passer à l'action, ou si tu es d'accord avec cette philosophie, écris-moi en commentaire, don't overthink shit, et on va pouvoir embrayer sur la troisième catégorie de ce podcast de bilan du mois d'août 2021, la musique. Qu'est-ce que j'ai fait en musique Rien du tout Ça a été un mois creux, j'ai pas composé, j'ai pas fait de grands moves en particulier. Mais j'ai écouté beaucoup de musique. J'ai fait ce qu'on appelle de l'écoute passive. Donc, tu écoutes un morceau, tu regardes comment c'est mixé, tu regardes comment ce que c'est chanté, comment le chanteur va moduler sa voix, comment le piano répond à la guitare. Enfin, bref, tu écoutes vraiment, tu analyses. C'est vraiment être intentionnel dans ton écoute. C'est pas juste écouter de la musique en mode divertissement ou en mode tu travailles et t'entends de la musique en fond. Là, c'est vraiment tu analyses de la musique, tu la dissèques. Et j'apprends beaucoup comme ça, j'apprends beaucoup par mimétisme. Et je pense que ça va me servir pour mes prochaines sessions de composition et pour le projet secret dont je ne t'ai pas parlé, mais dont j'ai commencé à parler un peu, à teaser un peu lors du podcast bilan du mois de juillet. Ce mois d'août, en termes de musique, ça a été aussi un gros travail mental pour ne pas se mettre la pression. Tu sais, il y a des personnes qui me connaissent très bien depuis plus de 10 ans qui m'ont dit Ouais, non, mais mais. Relaxe un peu, là, si es malade, et si es autant malade, parce que faut pas l'oublier, c'est que je suis jeune et que ce Covid n'aurait pas dû me toucher a priori aussi fort, étant donné que je suis jeune, déjà, je suis sportif, je suis athlétique, je mange. Plutôt bien. Je ne fume pas, je bois quasiment pas. Tu vois, je pas censé être autant touché. Mais là, moi, la chose qui m'a eu, je pense, euh, même si je ne me rends pas compte, bah c'est la pression, c'est le stress. C'est que tu veux performer, tu veux, être absolument, être, tu veux absolument être meilleur, tu te lèves hyper tôt, peut-être un peu trop tôt, ton corps n'est pas si reposé, tu penses à ça. Puis tu, tu te déplaces de gauche à droite pour chercher des opportunités, festivals de Cannes, etc., sans vraiment prendre de vrais vrai, vrai repos. Puis tu as le stress, tu te compares, on le fait tous. Et ben là, ça a vraiment être un travail mental pour euh, redescendre un peu. il y a même des personnes qui ont eu l'audace de me dire que ben, peut-être que ce Covid, ça allait être la meilleure chose, c'est que c'était la meilleure chose qui, qui, qui pouvait m'arriver, dans le sens où ça, ça m'a peut-être évité une plus grave maladie plus tard, ou je sais pas, un burn-out, ou, des choses comme ça. Donc. Ouais, ça a aussi été ça en termes de musique et même en termes de projet, c'est de relâcher un peu, de ne pas se mettre la pression. Là, j'étais pas en mode, faut que je fasse une prod par jour, j'étais pas en mode, oulala, faut que je termine absolument ce morceau. Là, c'était beaucoup plus cool. Chacun son horloge. Bah, tiens, ça va être le mot-clé pour clôturer cette partie sur la musique. Horloge, si tu allais jusqu'au bout de cette catégorie. Écris-moi Horloge sur YouTube. On arrive déjà quasiment à la fin de ce podcast bilan du mois d'août 2021. J'ai partagé les leçons. J'en ai noté quatre. La première, c'est que ta vie peut basculer du jour au lendemain. Comme je te l'ai dit, en juillet, j'étais au Festival de Cannes. C'était la vie. Je vivais la vie, comme ils disent les Américains. Et puis après, le 1er août, j'étais à un spectacle. J'étais dans les backstage. Après, tu célèbres, t'es bien. T'es bien, les buffets, tu... T'es cool, t'es en pleine forme, j'avais couru le matin, j'ai fait un bon entraînement, et là, 2 trois jours après, je ne peux pas sortir, je suis malade. 10 jours après, il euh, y a le SAMU qui vient me chercher pour te dire la gravité de, de, de ce qui se passait, c'est l'hôpital qui a envoyé le SAMU. Ta vie peut basculer du jour au lendemain, littéralement. Donc ça fait cliché, ça a déjà été beaucoup dit, mais c'est euh, Diem vit chaque jour comme si c'était le dernier, tu sais à qui je fais référence et profite et aussi sois humble moi ça m'a vraiment appris encore plus humilité c et tu contrôles pas tout tu veux faire ta séance de renforcement tu veux sortir ton clip tu veux faire si tu penses avoir tout euh, sous, sous contrôle mais non mais qui es-tu hop maladie qu'est-ce que tu vas faire donc c'est pas facile et aussi ça t'apprend à être beaucoup plus empathique envers les gens envers les gens qui sont malades envers les soignants envers toutes ces personnes Bref, ta vie peut basculer du jour au lendemain. Comme j'aime beaucoup dire dans ce podcast, prépare-toi pour le pire et espère pour le meilleur. Et le pire arrive souvent. La deuxième leçon que je pourrais te partager, c'est de toujours avoir de la batterie sur ton téléphone et toujours avoir une batterie externe. Je le dis souvent, mais là quand as un cas d'urgence, le SAMU qui, 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 qui venait par exemple, ben, j'avais quasiment plus de batterie sur mon téléphone, je n'avais pas de batterie externe, je n'avais pas de prise près de moi, et il devait pouvoir me joindre, et c'était pas possible. Donc tu vois à quel point ça peut être crucial et pourquoi est ce que je dis d'avoir toujours sa maison rangée c'est que j'avais pas le droit de me lever parce que je risquais de je je, je, ris, je une mort subite enfin, c'est un délire voilà sans rentrer dans le dossier c'est un délire bref donc ils m'ont pris une chaise une chaise roulante et ils l'ont montée et ils m'ont fait m'asseoir sur la chaise roulante et puisqu'il y avait des chaussures qui traînaient un peu dans le couloir et ben ça a rendu la chose beaucoup plus difficile donc imagine il euh, y a une urgence et toi, tu, bah, tu te mets en danger tu, en, en laissant des chaussures traîner ou en rangeant pas les choses à l'endroit où elles sont censées être. C'est compliqué, il faut pas faire ça. Donc oui, toujours essayer d'avoir sa maison le plus rangée possible, déjà parce que c'est mieux pour l'esprit, mais aussi dans une situation d'urgence où tu as le Samu qui vient, ça facilite les choses, tu bloques pas tes bénédictions. Troisième leçon que je pourrais te partager, c'est d'avoir toujours du cash flow pour le médical, toujours avoir ce fond d'urgence. J'en parle. Systématiquement, mais même si nous sommes dans un pays incroyable dans le sens où tu as la sécurité sociale et toutes ces choses-là, que beaucoup de choses peuvent être prises en charge, il eh ben, faut quand même sortir les soins à un moment. L'ambulance, il faut la payer. Le, 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 les consultations, il faut les payer. Tu vois, on ne te paye pas tout. Ce n'est pas, <laughs> pas comme ça que ça fonctionne. Donc, toujours avoir un cash flow pour le médical parce que ces choses arrivent. Elles vont arriver dans ta vie, elles vont arriver dans la vie de ton frère, de ta soeur, de tes parents. Tes... C'est comme ça, malheureusement. C'est les choses de la vie, donc vraiment constituer ce fonds d'urgence ou sinon, ou en plus avoir une mutuelle. Ça, c'est vraiment la décision la plus adulte que j'ai pu prendre au cours des quatre dernières années. Ça a été de souscrire à, à une mutuelle. Je pensais pas que j'allais en avoir besoin. Je pensais pas que j'allais avoir d'arrêt de travail, que j'allais pas pouvoir exercer, mais j'avais souscrit parce que j'avais eu des décès autour de moi et puis j'avais vu que c'était compliqué parce que la personne n'avait rien prévu et ça a fait la différence il y a des choses qui sont prises en charge, donc c'est moins lourd à gérer. Et puis, tu sais, tu peux avoir des indemnités par jour d'arrêt de travail si tu arrêtes. Enfin, il y a plein de choses que tu peux mettre en place avec une mutuelle. Et même si tu es jeune, j'en suis la preuve, les choses peuvent arriver. Shit happens, comme des Am les Américains. Donc, euh, ouais, avoir une mutuelle, c'est aussi un bon investissement. Et quatrième leçon que je pourrais te partager, c'est que tu n'es pas que ta carrière. Tu n'es pas que ta Musique, tu n'es pas que ton boulot, tu n'es pas que ton entreprise, tu es beaucoup plus que ça. Tu le vois quand tu es malade, tu le vois quand, quand tu quand es en train de douiller, tu vois que encore une fois ce ne sont pas ces choses-là qui vont te sauver et que c'est pour ça qu'il est important de trouver ton équilibre et que le développement personnel ça fait vraiment la différence. Lire des livres, j'ai pas réussi à lire parce que j'avais des capacités de concentration qui étaient limitées, mais écouter des livres par exemple, méditer, euh, prier, faire ce genre de choses. Ça fait vraiment la différence. Ça t'aide, ça t'aide vraiment à ne pas te rattacher qu'à une seule chose, à ne pas te retrouver dénué de sens à ta vie parce que tu es malade, par exemple. Voici les quatre leçons que je voulais te partager. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est celles qui me viennent à l'esprit tout de suite. Écris-moi en commentaire quelle leçon te touche la plus. Si c'est la première leçon que ta vie peut basculer du jour au lendemain, si c'est la deuxième leçon que il faut toujours avoir de la batterie sur soi et de sa maison rangée. Si c'est la troisième leçon qu'il faut toujours avoir du cash flow pour le médical ou si c'est la quatrième leçon qui est que tu n'es pas que ta carrière et qu'il faut trouver un équilibre. Écris-moi en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. Cinquième catégorie, on va dire qu'on va la rajouter comme ça, on va dire que c'est la cinquième catégorie, c'est les ressources. Les ressources, des choses qui peuvent être utiles, il y en a plusieurs que j'ai notées. La première, c'est la sécurité sociale. Alors, ce n'est pas vraiment une ressource, ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher, ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter, mais vraiment la sécurité sociale, c'est en accord avec la vision. L'année dernière, quand ma mère était malade et que j'essayais de faire en sorte que les choses se débloquent, c'était compliqué, mais là, j'ai à peine eu mon test, j'ai à peine reçu mon test positif au Covid, et il y a la Sécurité sociale qui m'a appelé. Ils m'ont dit OK, vous êtes positif, comment est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous avez besoin qu'on vous envoie une infirmière Est-ce que vous avez besoin qu'on vous fasse des courses Est-ce que vous avez besoin d'un logement pour vous isoler de votre famille Est-ce que vous avez ce qu'il vous faut euh, Attendez, on vous envoie un arrêt de travail. Mais j'étais, franchement, j'étais waouh, je faisais OK. Franchement, les gens sont bien organisés. Je me suis dit, il y a plein de choses qu'on peut reprocher, parfois à un pays, à un système, mais là, franchement, je me suis dit OK. On ne peut pas perdre avec la Sécurité Sociale. La deuxième ressource, bah je te, je te l'ai déjà partagé, hein, c'est la Mutuelle. C'est vraiment une roue de secours. Je t'invite à prendre une Mutuelle. Je pense que tu peux en avoir pour euh, tous les prix. Ça peut aller de, de 10 euros à 20, à 30, à 40 euros, à 500 euros, à 1000 euros par mois. Mais c'est vraiment euh, un investissement sur toi et sur l'incertain. Et ça fait vraiment la différence. La troisième ressource, c'est tes proches. Ça m'a énormément aidé. Pour le moral d'appeler mes proches, tu vois, j'arrivais pas à manger, j'étais pas bien, je, 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 je culpabilisais, je j'angoissais à certains moments, enfin, c'était difficile. Mais le fait d'entendre des proches, bah, ça me faisait beaucoup de bien. Il y avait des moments où je regardais beaucoup de films, je m'étais dit, bon, tu sais quoi, je vais me prendre un, un abonnement à Netflix et je vais regarder des trucs. Et puis au bout d'un moment, tu es lassé, ça t'attire pas forcément des bonnes choses. Tu vois, quand t'es allongé, que tu regardes des films, tu as peut-être tendance, moi, tu, du moins, je peux avoir tendance à vouloir manger des chips. Et là, je m'étais dit, tu sais quoi, je vais essayer de remplacer ça par une habitude un peu plus saine. Et plutôt que de regarder des films, j'essaye, quand je peux, bah, d'appeler des proches et ça m'a fait beaucoup de bien, c'est plus productif et t'apprends beaucoup de choses. Quatrième ressource que je pourrais te partager, c'est Audible d'Amazon. C'est la solution qui te permet d'écouter des livres audio. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai écouté Your Next Five Moves de Patrick Bette David que je t'ai mentionné tout à l'heure, mais j'ai aussi écouter la biographie de Maurice White, Maurice White si tu ne le connais pas c'est le fondateur du groupe Earth, Sweet and Fire et je l'ai trouvé incroyable, incroyable et c'était un plaisir d'écouter ça, c'était bien enregistré, Maurice White est décédé donc ce n'était pas lui qui, qui était en train de faire la narration, c'était un acteur, un comédien je pense mais c'était hyper agréable, tu es là, tu te promènes dans, chez toi <laughs> ou dans ta chambre, et tu écoutes ça, c'est vraiment vraiment... Une très très bonne solution Audible. Encore plus quand tu as des soucis de concentration comme c'était le cas pour moi. Audible, je vais essayer de me trouver un petit lien d'affilié. Comme ça, si tu veux t'inscrire à Audible, bah, je te mettrai le lien et puis comme ça, ils me verseront un, un petit pourcentage pour la vision, pour investir dans la vision. Audible, excellente solution. Encore plus si tu n'aimes pas vraiment lire. Pour conclure, ça a été un mois difficile. Comme tu peux voir si tu regardes le podcast, je fais encore des examens, j'ai des, des résultats qui sont bons. Je vais pas rentrer dans, dans, dans le détail, mais c'est pas facile. Ça a été une pause imposée pour mon corps. Il faut vraiment traiter ton corps et ton esprit comme si c'était des temples, parce que ce sont des temples, tu vois, que ce sont les fondations de tout ce que tu fais, de tes projets, de ta famille. Là, je pouvais pas m'occuper vraiment comme je le voulais de ma famille. J'étais même moi qui étais plus dépendant. Ça m'a, je sais pas, c'était bizarre. Donc, oui. Joue pas avec ta santé, pas de santé, pas de business, pas de musique, pas de podcast, rien du tout. Je ne sais pas comment l'année va se passer. Je sais que là, c'est le mois de septembre, que c'est le mois de la rentrée. Donc, s'il te plaît, euh, je t'invite vraiment à prendre en considération la chance qu'est d'être en bonne santé, d'avoir un jour en plus. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Il faut vraiment traiter ça comme si c'était de l'or et comme si c'était vraiment une occasion, une chance de devenir chaque jour la meilleure version de toi-même et d'avancer vers tes rêves. Je te dis à très vite. Je te remercie. Si tu m'as envoyé un message, je sais que j'ai reçu pas mal de messages. Je m'excuse si j'ai pas répondu à tout le monde. De gens qui prenaient mes nouvelles, qui me souhaitaient un bon rétablissement. Ça fait vraiment la différence. Ça fait vraiment du bien. Tu n'imagines même pas à quel point parce que t'es là. Et si t'as eu le Covid, tu peux savoir. T'es isolé, tu, tu douilles, tu peux voir personne. Et <laughs> il fait beau. Tu te dis bon. C'est difficile pour le moral. Et puis après, là, moi, quand j'ai eu mes complications, bah, c'était encore plus difficile. Donc merci pour la force. Ce podcast, c'est un podcast qui est très dur à enregistrer. Je ne sais pas si ça s'entend, mais je ne suis pas hyper à l'aise parce que c'est vraiment, vraiment personnel. Et c'est une situation qui est encore actuelle. Je suis encore dans ça. Je suis encore dans les examens. Je suis encore dans les, dans les prises de sang, dans l'incertitude. C'est vraiment pas facile. Mais je me suis dit que je devais rester fidèle à cette tradition qui est un podcast bilan tous les mois. De montrer ce qui va comme ce qui va pas pour que tu puisses voir l'avancée et que vraiment, quand il y aura un move qui sera accompli, quand il y aura quelque chose de beau qui arrivera, tu pourras voir qu'il aura fallu traverser tout ça, qu'il aura fallu traverser les doutes, qu'il aura fallu traverser la maladie, qu'il aura fallu traverser les accidents de voiture, les, les... brefs, qu'il aura fallu traverser les déceptions afin d'arriver à ce stade. En tout cas, je te souhaite une excellente rentrée. Si tu as des enfants, bénédiction sur eux, bénédiction sur toute ta famille, fais attention à toi, s'il te plaît. C'est pas drôle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disent Ouais, non, c'est pas grave, t'attrapes le Covid, tu tousses trois jours et puis c'est fini. Ce n'est pas forcément vrai. Tu ne sais pas comment ton corps pourrait agir. La preuve, encore une fois, avec moi, fais attention à toi, n'abandonne pas, fais ce que tu as à faire.